Dans cet épisode, on va voir le remplacement de la tête d'extrusion complète par une version full metal, et je vous montrerai les petites différences que j'ai remarquées entre les deux. Salut à tous et bienvenue sur 3DK Maker. Pour pouvoir dévisser la tête à remplacer, il va falloir d'abord débrancher la nappe et retirer le capot de protection. N'oubliez pas d'enlever le petit ergot de serrage de la nappe avant de la retirer. Manipulez toujours votre nappe avec précaution, c'est un élément fragile de la machine. Sur ces images, on peut voir la tête d'origine avec son levier en plastique. Et avant de la remplacer, j'avais changé le levier de serrage par un en métal. Je consacrerai un épisode complet sur ce changement du levier. Pour pouvoir changer la tête, il faudra dévisser les trois vis qui la maintiennent contre le chariot. Rien de compliqué, et pour l'occasion, j'avais aussi démonté le bell touch, ce qui permet un meilleur accès à la vis du dessous, car sinon on s'embête un peu avec l'outil d'origine. Mais ce n'est pas obligatoire, la vis est quand même accessible sans avoir besoin de retirer le bell touch. Pensez juste à bien maintenir la tête pour ne pas qu'elle ne tombe quand on aura fini de desserrer. Si vous avez des outils de meilleure qualité, n'hésitez pas à les utiliser, ce sera sûrement plus simple qu'avec la clé fournie avec la machine. J'ai donc pu comparer les deux têtes, et la première chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a comme des rondelles soudées qui viennent renforcer la fixation du bell touch. Malheureusement, ce n'est pas ce qui réglera le problème du bell touch d'origine mal conçu, c'est plus souvent le plastique qui risque de casser en serrant. On peut maintenant revenir fixer la nouvelle tête avec les trois vis précédemment enlevées. Vous pourrez trouver de meilleurs angles de caméra sur la vidéo de remplacement de la tête d'extrusion faite par Artillery 3D Expert sur leur chaîne YouTube. Je vous la mets en fiche, il y remplace une tête de Sidewinder X1 mais la fixation est la même. J'avais aussi remarqué en démontant la tête que sur le modèle tout métal, il y avait 3 vis sur 4 qui n'étaient pas filetées tout le long. Et c'est peut-être mieux que d'origine, avec les 4 vis complètement filetées. Il y a aussi un petit passage de câble dans la structure de la tête, qu'il n'y avait pas sur celle d'origine. Cela sert à maintenir le câble du ventilateur loin du bloc de chauffe, c'est un bon point. Dans une de mes premières vidéos, le câble avait fondu car elle traînait trop près du bloc. Pour finir, revissez le cache de protection et rebranchez délicatement la nappe. N'oubliez pas de remettre le clip qui maintient la nappe serrée dans son emplacement. Quand vous rallumerez la machine, n'oubliez pas de reset votre EEPROM, de refaire le nivelage du plateau, l'auto-level et le Z égale 0 avant de relancer une impression. C'est très important, sinon vous risquez d'endommager votre imprimante. Je fais tout mon possible pour garder la cadence d'une vidéo par semaine, mais ce n'est pas évident. Il arrive comme cette semaine où j'ai quelques jours de retard sur mon planning. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous les vidéos, je réponds à toutes vos questions. Je vous remercie de m'avoir regardé jusque-là. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. A bientôt sur 3DK Maker.